Dieu. Et je sais que Philippe développe le conteneur, c'est-à-dire la boxe cambodgienne, qui est à l'origine de la boxe thaï, c'est ça. Et c'est dans ce but, parce que je suis aussi cambodgienne, je veux faire connaître la boxe cambodgienne avec tous les groupes qu'il y a avant chaque combat. Et donc voilà, je voulais faire partager donc, ce sport avec les gens comme toi et tous les autres communes. Voilà. Et j'espère que vous allez apprécier ce sport cambodgien, la boxe cambodgienne qui est totalement différente bien sûr de la boxe thaï, la boxe anglaise. Oui. La boxe tout court. Donc écoutez, j'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Tu peux nous présenter sur l'association ? Alors. C'est l'association ACAMI, c'est-à-dire l'association des Cambodgiens des Yvelines, dont le siège est à Ivancourt, qui va accompagner pour chaque combat les deux boxeurs. C'est la tradition au Cambodge, donc les danseurs, c'est-à-dire les troupes de Thayam, accompagnent chaque boxeur pour, au moment de chaque combat. Merci, mon ami. Le public va arriver tout doucement. Je voulais dire aussi ce soir, il y a un combat prestige avec un Cambodgien, ce prénom Bori. Ça se va, Bori ? Et au fond là-bas. C'est un Cambodgien qui a eu un bébé il y a 10 jours, et avant de venir en France, il a connu son bébé pendant 2 jours. Donc, c'est pas un champion, c'est un grand boxeur dans la boxe 14. Donc, c'est l'ancêtre de votre boxe thaïlandaise, le sport pied-point du sud-est asiatique, qui est vraiment traditionnellement différent de la boxe en boxe thaïlandaise. Alors, un petit rappel aussi sur l'historique. La boxe thaïlandaise que l'on connaît est née en France, effectivement, elle vient du Cambodge. Je certifie, je confirme que les Cambodgiens ont toute la traçabilité de l'histoire du sport pied-point au Cambodge. Sur le temple d'Angkor, vous avez les bas-reliefs qui retracent l'authenticité du Khun Khmer. Donc Khun Khmer, art martiaux cambodgien. Bien, merci mon ami. On va passer le micro à ma collègue. Hein. Et le président Ushayam, ils vont monter sur le ring pour faire une démonstration. Stéphane, tu vas vite voir nos deux boxeuses qui vont ouvrir le bal ce soir. Hein. Alors ce soir, le coup de mer, vous allez avoir beaucoup de corps à corps. Ça, c'est l'authenticité par rapport à la boxe thaïlandaise. On a beaucoup de corps à corps. Les coups de coude, c'est compte aussi. Et on a des boxeurs qui sont en boxe thaïlandaise qui vont vraiment découvrir un petit peu. Et les arbitres qui ce soir vont donner le meilleur de notre pour que les combats soient le plus beau de la soirée. Je ne suis pas réanimateur, c'est l'association. Je ne suis pas animateur du tout, donc je fais ce que je peux avec mon ami Borami, voilà. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît, de manière à les remercier de venir ce soir. Et jouer un tout petit morceau, histoire de mettre l'ambiance et mettre le feu, déjà tout doucement. Hein? Yeah.